Dans un monde qui priorise l'innovation, le développement technologique, la collaboration et le développement du leadership, les gestionnaires d'aujourd'hui doivent trouver des stratégies innovantes pour s'adapter aux changements, pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer la performance de leur organisation. Le co-développement, c'est une approche de formation et de développement de compétences. Ça permet l'intégration d'un processus de résolution de problèmes efficace ainsi que le développement des compétences relationnelles. Concrètement, un groupe de co-développement professionnel, c'est une approche d'apprentissage dans l'action. Une méthode qui va réunir 5 à 8 personnes autour de différentes problématiques, mais sous un sujet ou un thème particulier, pour 5 à 8 ateliers, le même nombre d'ateliers que le nombre de personnes, chaque atelier va être structuré en 7 étapes. La formation qui est proposée ici, c'est une formation qui permet à tout professionnel avec un minimum d'expérience en animation de groupe de démarrer et d'animer un groupe de co-développement professionnel selon les meilleurs facteurs de réussite pour maximiser le potentiel du succès du développement de compétences des participants du groupe. Cette formation comprend 3 modules. À travers le module 1, ça va vous permettre de créer un groupe de co-développement. Ça permet de développer la structure pour la mise en place de votre groupe au sein de votre organisation. Le module 2, c'est d'apprendre à animer un atelier de co-développement. Vous allez apprendre les 7 étapes de la mise en place avec les conditions gagnantes pour augmenter vos chances de succès dans le développement de compétences de vos participants. Le module 3 prévoit un processus continu pour votre propre développement de compétences en tant qu'animateur d'un groupe de co-développement. Ça va vous assurer de mettre en place différentes stratégies pour assurer le développement de vos compétences, non seulement dans le contexte de votre groupe sous le thème qui est choisi par le groupe, mais aussi en tant qu'animateur de co-développement. L'approche de formation utilisée ici, c'est une approche d'apprentissage expérientiel. Ceci veut dire que c'est par l'expérimentation de la création de votre groupe de co-développement dans votre organisation et à travers l'animation d'ateliers concrets que vous allez faire vos apprentissages. Ces expériences pratiques seront accompagnées d'outils de soutien pour l'animation de vos ateliers et d'un processus réflexif qui va vous permettre de vous assurer non seulement la mise en place de votre groupe, mais aussi d'un processus d'amélioration continue de vos compétences. Toutefois, ceci implique quelques prérequis avant de commencer cette formation. Vous devez d'abord vous assurer d'avoir un minimum d'expérience d'animation avec un petit groupe. Ensuite, vous devez être prêt à implanter concrètement un groupe de co-développement dans votre organisation. D'avoir de 5 à 8 participants prêts à intégrer votre groupe de co-développement, ainsi qu'un lieu qui sera disponible pour mettre en place vos ateliers. Bien sûr, ce lieu, ça peut être un endroit physique, autour d'une table, avec des chaises, dans un bureau, ou encore, il y aura toujours possibilité de faire vos ateliers de co-développement à distance. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne continuité et au plaisir de pouvoir vous accompagner dans ce processus de formation. Merci.